Maïcho. Les pacates dans le chat, on vous aime bien. Hein, ouais, Gigi, c'est pour toi. Hein. Ouais, c'est pour toi, ça. Il a lâché son plus grand, wesh. On l'a stigmatisé, je suis mort. Ouais, j'ai jamais vu de Pit Maléfique, et encore moins de Pit Maléfique contre Ness. Moi, je connais assez bien Pit Maléfique, je joue légèrement, tu vois. En gros, son air out of shield, il est fort. Dès qu'il nerf, il a un combo. Genre, c'est un personnage comme dans Smash 4, mais il a beaucoup plus de reward pour ce qu'il fait. Enfin, pas énormément non plus, mais il en a pas mal. Et sa flèche aussi, c'est déjà mieux que rien de Smash 4, donc bon. Ouais. Tu vois, sa flèche, elle est pas trop loin du laser de Wolf, genre, honnêtement. Ah ouais, ça va. Ça, c'est une archi bonne mix-up. Ça, c'est pas mal, ça. Petit ouais, 30%, genre, 35 gratuit là, sur un petit der en landing. Genre, le perso, il a vraiment des vrais rewards quand il joue au jeu. Ça a rien à voir avec. En plus, il n'y a pas de match-up. Après ça reste Pit, hein. C'est quelque chose d'assez basique, qui a pas beaucoup changé, juste faut faire gaffe parce que ça combo maintenant quoi. Ouais c'est ça, genre. Avant il avait un coup, il y avait plus rien. Ah ouais. Ouais il est mort. À combien il est mort? Ça à s'est 80, énervé hein. Il a bourré un Smash Challenge. T'as vu, c'est un des rares persos dans le jeu, genre quand il dance throw à genre 80-90, il a toujours un follow-up. Ah ouais, ouais. Il a raté son troisième saut. Ouais, vraiment c'est son troisième saut ça. Mais t'es ouf mec. Un vrai perso de tricheur Ness en vrai. Un peu oui. Ah, petit piqué fire sans lag, puis oui, il kiffe cette option. Ouais, petit nerf. Un petit grab, throw, petit nerf. Qu'est-ce qu'il a après? Il a rien d'autre. Ah, après, il a rien. Il aurait pu fast fall le faire et tenter une mix-up. Mais ouais, après un nerf, t'as pas grand-chose si tu le finis en l'air. Ah, ouais, okay. Il faut le finir en auto-cancel si tu veux avoir du. Ok. Il a aussi des follow-up sur le falling fair. Oh, gros, la flemme. Ah, non, en vrai, Yas qui se défend bien sur son petit pit maléfique là. En fait, je pense qu'il a direct capté, il a fait la flemme. Genre, il a dit. Parce que tout à l'heure, je les ai vus jouer en freeplay. J'ai vu Piu, il était en train de le 3-stock avec son. Et ils ont joué à la Neocania aussi. Ouais. Et je le voyais, il prenait des 50% à coup d'edge guard au yo-yo. Et quand il était à kill pourcent, il mourait. Donc, ah ouais, flemme. J'avoue qu'en vrai. Edge guarding? Non. Ok, il attend l'edge trapping. Okay. Et c'est quoi? C'est toujours. C'est quoi le downbeat pit maléfique? Est-ce que c'est le même bouclier. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser contre la Rocko de Ness ou pas? Non, comme pas un bon contre ou pas? Pas trop, parce que c'est pas du tout un contre. Genre s'il met le. Je sais pas si bouclier, mais je pense qu'il va quand même ralentir, je sais pas. Il y a moyen vraiment. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente. Ah ouais, le side 2, ouais, non, ça se pique. Wow. En gros, en ça vrai, c'est comme Falcon. Tendu, hein, il y a de l'argent. Ça se joue à quelques frames en vrai. Hein. Ouais. Genre, le piqué fire, il sort 5 frames après, il prend le gros side B, il meurt. Hein. Le side B de... Bon, après c'était un peu piffé mais faut bien tenter le truc hein. Propre. Petit derop smash ça tue, c'est confirme, ça fait plaisir. On prend hein, tout ce qu'il y a à prendre avec Pit Maléfique on prend. Ouais, c'est ouf. Parce qu'il a une légère carence en fer tu vois. Mais je pense. Ça se voit, il manque d'un truc genre. Ouais. Il manque déjà de charisme. Si il manque de charisme. Dans cette halte là j'avoue c'est grave. Mais je sais pas, quand il tape, il fait pas peur, oh genre. Wow. Oh, le backer dans l'œil. Il a explosé. Il l'a mis dans l'œil. Ah, vraiment. Rip, il est mort à 90, je crois. Watch out. Oh, de ouf. Mais je pense qu'il y a une mauvaise DI sur le coup, un là, un peu. Ouais, ouais, une mauvaise DI. Il est il a... un peu trop explosé. Il y a un peu eu l'animation, genre, tu t'es fait fumer TM, genre. Un peu trop mal. Ouais, non, c'est... Mais après, j'avoue, il était surprenant, le backer. Genre, il a commencé un petit dash, il l'a pris dans l'œil. Ça surprend. Toujours, hein. Et Witness, tu parles beaucoup, mais t'es pas là. Hein. Mmh. Tu t'es au cast? Moi, je suis grave chaud. Grave chaud. Tu viens pas de jouer là? Je viens de gagner contre Amadé, je suis en top 8 loser. Excellent. Excellent. Bah, Falcon, c'est high tier. Arrêtez de dire c'est mid tier. Mais moi, j'y crois pas en vrai. Je dis ça, mais j'y crois pas. Tu vois. Je prends Wolf la moitié du temps. Tu vois. Je suis un escroc. Non, mais en vrai, genre, on a fait genre. Falloir faire nous Falcon. Bon, pour Falcon, ça va, genre, ouais, tu vois. Il y a clairement pire. Mais j'ai gagné propre, tu vois, c'était clean. Carré. Genre, c'était carré. 2-0, pas trop serré. Tranquillou. De toute façon, on va repartir. Alors là, il va y avoir Yas contre Piu. Ouais, Yas contre Piu. Attends, j'ai entendu pas. Ils ont fait un peu de freeplay ce matin, donc j'ai entendu un peu parler. Enfin, ouais, au bout du match-up. Genre, en gros, Yas, il disait que, genre, bah, dès qu'il est off-stage, c'est la catastrophe, tu vois. Genre, là, c'est chaud, tu vois. Net, il arrive, il fait ses petits yo-yo là, ça couvre toutes les options de Fox, c'est tendu, tu vois. Mais dans le train, il y a moyen après. Ouais. Après, mais tu vois, dis-toi que là, il a pique Dark Pit. Yes. Vous voyez bien, mais bon, vas-y. Attends, il y a combien du coup là? Attends. Il s'est pris un grand backer dans l'œil. Il y a combien là? Il y a combien? 1-0 pour Pit. Ok, c'est carré. En vrai, Pit, il a lâché des petits trucs stylés, genre petit air up smash et tout. Genre.
Excellent. Ça, en fait, ça donne quoi de pite dans le jeu? Parce que c'est comme Smash Bros avec un peu, avec légèrement plus de saveur. Ok, un peu d'épices. Genre, ouais, voilà, okay. Un peu d'épices, mais je sens quand même que. Parce que genre, tu vois, t'as vu. C'est comme les nouilles instantanées quand tu oublies un des deux packs. Là, il y a un pack, c'est deux, deuxième. C'est deux spies, genre, ah ouais, tu vois. C'est deux spies, ça se mange, tu vois. Ouais. C'est pas le plat gastronomique, c'est Wolf, genre. C'est pas folichon, tu vois. Ouais, voilà, d'accord. Vas-y, du coup, là. Ça, il a l'air de plus démerder déjà avec Pete. Ouais, franchement, il débrouille bien, déjà. Et après il se fait couiller parce que Ness, vas-y, son avantage. Ouais, Ness, c'est le roi de la couille, frère. Le roi de la merguez. Ah ouais. Oh là là, 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 il est chaud. Ouais, en fait, je pense excellent que dans ce match-up. Parce que tu sais, la flèche de Dark Pit, elle est pas trop loin du laser de Wolf, honnêtement. Ouais. Mais la flèche de Pit, elle fait beaucoup moins de dégâts et tout, mais par contre... Tu peux mieux l'ajuster, mieux l'anglais, ouais, tu vois, genre c'est mieux. C'est archi important, tu peux snipe yes. La flèche... Enfin, tu peux. Attends, snipe la est-ce qu'il peut la, l'absorber avec son truc, là, son down bash? Non. La flèche, ouais. Ouais, ok. Parce que c'est, ouais, c'est un projectile énergétique. Ok, je savais pour. Oh non, mais Ness. Et la Manti. Gros, il absorbe les grands RPG 7 de Snake. Oh ouais, mais non. Oh, non, mais non, c'est pas. Non. Là, tu vois, là, c'est le problème parce que, genre, quand tu fais genre de truc, t'es tenté de tomber dans l'assaut, genre, ouais. T'as envie. Et genre, c'est facile de drop une game après, tu vois, genre, quand t'as pas le lead et tout. Chaud. Mais après, tu vois, c'est plus, genre, en termes de mental, on sait qu'il est là, genre. Tu vas se faire contre par Heinz bientôt, là. Ah, mec, non, non, ouais. Non, sponsor par les meilleures marques de sauce. Ouais, bien sûr. Attention. Après, je pense pas qu'on verra. Je pense que Tsepius, c'est un mec à un bon mental. Ouais, non, ouais, clairement, si c'est ça, tu vois. Là, je pense qu'il va... Des comebacks comme ça, il en a déjà fait, tu vois. Et il y a moyen qu'il le fasse. C'est à ce fou là. Exactement. En plus, Ness pour comeback, c'est pas mal, tu vois. Il y a des. Non, mais... ah ouais, il y a de quoi faire, tu vois, au niveau des comebacks. Là, c'est son meilleur set step of stage. Ouh ouais, ouais, parce que de toute façon, je sais, cette intro, c'est. Tu grignotes le micro. Hein. Ah merde. Juste pas un tout petit peu. C'est que je. Ouais, non, j'avoue, ah ouais, non, mais là, Warwick, t'as mis un tacle à la gorge en vrai. C'est... Non, mais en vrai, tu sais, faut me le dire parce que, genre, celui-là, si je règle le micro, c'est de la merde, tu vois. Une gorge profonde, le micro. De ouf. Ah ouais, t'es ce genre de mec là. J'avoue. C'est bizarre ça. Je suis un mec comme ça, y'a quoi? Y'a une ambiance bizarre. Y'a quoi? Ah, non, y'a rien, mais qu'on est en 2019, voilà, on voilà, exactement. Et les frérots qui s'assument, tu vois, c'est que je veux dire. Oui, oui, oui. Tu vois le side B de pute qui renvoie les projos. C'est le genre d'interaction un peu gazmer, tu vois. Genre, y'a toujours ça en France, des petits trucs comme ça, genre, à tous les sets. Pire c'est quand il y a un Dedidou dans l'eau, il y a, ah non, c'est il ça, y a ouais. Toujours un qu'il a zéro, il part dans le sac. Un truc avec le gourdeau bizarre des trades, genre t'as jamais vu ça de ta vie. Tu veux parler? Oh là là, oh là là, franchement qu'est-ce là Yass Ouais non mais Yass il a un vrai pit. Franchement ouais, ouais. Là il est yumb. Ouais, il... Oh là 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 là. Ouais il s'en fout. Alors clairement non mais c'est ce qu'il faut hein, ça marche, on coule. Oh là là là, ouais. Ça c'était... C'était excellent ça parce que t'as vu genre. Toi, c'est ce la... Raptor Boost aurait dû être. Exactement, mais c'est. Ouais, c'est le Raptor Boost en gros, tu vois. Genre, mais. En gros, t'as vu, genre, c'est. Le jeunesse, t'as vu, c'est beaucoup axé autour des plateformes. T'as vu, genre, les mouvements, genre, descendre de la plateforme et tout. Et là, il a bien bait, tu vois. Il s'est bien décalé, gros side B là. En plus, quand il fait scoot, tu vois, Pete, il recule un peu. C'est ça. Non, franchement, là, le spacing, il était parfait, genre. Exactement, genre. Tu sais, il prend son meilleur élan, il te met sa meilleure bastos, c'est ça. C'est comme le Raptor Boost, genre, même chose. Ouais, ouais. Parce que tu sais que Falcon, tu sais, quand tu faisais sur Smash 4, le gars il sortait du terrain, genre, ah et tout oui, ça foutait de seum. Hey, gros, il tapait son meilleur. Tu lâchais un coup, genre, il est pas sur le terrain en fait, faut taper offside, tu vois. Bah ouais. Ambiance Brawl, bah ouais, hein, parce que Yass en vrai, son pit sur Brawl. Franchement, j'avoue, hey, une dinguerie. Il a sorti un pit de Brawl là, tu vois, c'est même pas. Mais gros, tu vois, genre, Yass il a fait une combo vidéo à lancer sur Brawl. Yes. C'était le pit, sa spécialité c'était de faire tourner les flèches et de les mettre dans les combos. Parce que tu sais, à l'époque, ah ouais, dans tu Brawl, elle disparaissait pas. Elle disparaissait pas, ouais, si je me souviens. Ouais. Du coup, il arrive à contrôler la flèche et son mais perso en même malade. Temps, il met ça dans ses combos. Gros, c'était trop stylé. C'est ouf. Je te montre en vrai. Bah tiens, mais là gros, il le dit, tu as même pas besoin de flèche là, y'a pas de soucis, je gagne, tu vois. Gros, c'est un ancien ce gars là. J'avoue, c'est un ancien. De ouf. C'est Ami, Amias. Son pit là. Petit pit là posé, bon, on va voir si Piu va s'adapter. Les petits Isoul ils prennent des notes là, je pense. Hein. Ah ouais, Isoul il joue Inkling maintenant. C'est ah oui, c'est vrai, le salaud. C'est compétition avec Big Bilal maintenant. Ça se goume maintenant, genre. Ça se tape en vrai. Avec Big... ouais, franchement, ça se goume. Bilal avec son talent négatif là. Ça tue pas. Ah ouais, non. C'est game 3, c'est game 3 du coup là. Ouais, là c'est game 3. Ok, donc c'est BO3 toujours. Ouais, ouais, toujours. C'est carré. Un petit nerf. Ça, franchement, Yass il joue bien, il respecte bien les hitbox de Ness. Tu sais qu'en fait, ça c'est là, vraiment ça la base dans ce match parce que si tu respectes pas les hitbox, genre dis-toi, Ness il va gagner tous les trades en général, tu ouais, vois. Toujours, c'est ça le truc. De toute façon, gros, c'est une brute le perso, faut pas trader. Mais clairement, tu vois. Et tape comme Falcon alors qu'il a des gains, gros, il a même pas fini son Caprison. Il a même pas le brevet, il est là, il goume de ouf, tu vois.
Mais grave. Ouais, dans son jeu, c'est littéralement, vas-y maman, je me casse, il faut que j'aille sauver le monde, genre. Et t'as sa daronne, elle fait ok. Et vas-y, genre, ça roule. Et genre, quand il rentre pas assez chez lui dans son jeu, il a un debuff, genre. En mode, t'es obligé d'aller voir ta daronne ou de l'appeler, genre. Ouais, faut aller manger des épinards à la maison, sinon c'est mort, tu vois. Putain, bah, cas, franchement, oh là là. Jupanes, il a à peu près la même chose en plus avec son truc Dragon Ball, c'est ça en fait. De toute façon, les persos de Earthbound, genre, ils sont toujours handicapés, genre un peu, genre. T'as le perso de Earthbound 1, je sais pas, genre il est attardé lui aussi, genre. Il a un debuff à la con, genre. Ah oui, c'est genre il est asthmatique, ça fait trop rire. Ah ouais, dur. C'est incroyable, genre. Attends, du coup, ah, ça c'était bien vu, ça, du coup, pour stopper le Piqué Fire. Ah ouais. Dur. Franchement, dur. C'est très dur, ça. Du coup, Netpew qui prend le lead là. Et pour poser son jeu de patience, défensive, tout ça, tu vois. Tu connais. Voilà, ça joue bien au jeu, t'as vu. Oh là là, faire. Non, mais pas. Arrête tes conneries là. Arrête les conneries. Ouais, il a bien comme il le snipe là. Aïe, dur. Dur. Un grand backer de NES bien gras. Ah, mec. Attends, j'ai une question. Est-ce que Dark Pit, c'est toujours. Enfin, ça a toujours, t'as vu le cyber un peu plus puissant que dans ce jeu là? Non, c'est juste l'angle est différent, mais c'est... Ah ouais, on parle de Side B, lui il nous met des spikes, tu vois, genre. Le Der, il est un peu plus puissant que dans Smash 4, tu vois, genre il est pas archi puissant, mais quand mais il quand même, là, comme la, ça, la, ça la, va, là, ouais. Là, il l'a mis, mec, y a pas de débat. C'est brutal, en plus l'animation, il est énervé. Mais grave. Il prend ses deux katanas, là, dans ton œil. Ouais, d'ouf. Franchement. De toute façon, Pete, c'est un portugais, il a un arc, il a une épée après. Mec, c'est... Quel projet, genre. Pete, je te jure, wesh. C'est lui, il vient... Ouais. Ah, dommage. Ouais, il a cassé le bouclier par contre. Ness, il casse tout, dis-toi, genre. C'est ça. Ouais. Ness, il casse tout, vraiment. Oh, Joli J. Heureusement, il a bien le J. Parce que là, s'il avait mal le J, c'était la folle. Oh là là. Ouais, il a bien bourré, hein. C'était peut-être un missile boot. En vrai, je pense qu'il a tenté comme toi dans Smash 4, c'est le side B entier sur la En vrai, c'est le mec qui saute, il fait un full up pour essayer de te pression. Genre, te mettre la pression, tu vois. Il a dans le feu parce qu'il canne, genre, bien. En plus, tu vois, vu qu'il. Genre. Ouais, je pense aussi. Ah, attention. Ouh! Ah, j'ai bien vu le. Propre, la dash attack. En vrai, la dash attack de Pete, elle est énorme avec ça. Ouais, ça. En vrai, ça va, genre 5, tu te regrettes. Ouais, ça va. C'est pas risqué de faire des flèches en gros. Ouais, c'est ça en fait. Alors que si t'es un snake ou un wolf, le mec il gagne 15%, là, j'avoue, ça fait mal, tu vois. Wouh! 15%, on le rappelle à RPG 7. Hein. Ouais, non, 45%. Non, je crois que le RPG c'est plus, genre, c'était pour les. Ouais, les RPG c'est du 40% facile. Jure. C'est comme si t'avais pris une maxi tomate, genre, c'est, tu récupères. tu regagnes une stock, genre, vraiment. Aïe. Non, c'est pas il a bien. Ah, il délaye. Ouais, il en a fait un deuxième. Reviens, gros. Non, c'est mort. Ah ouais. Petit pop-off, en vrai. Franchement, dur. Ah ouais, y'a sans loser, c'est chaud. Mec, les pop-off se valent, hein. C'est vrai. Non, mais c'est clair, hein. T'as pas à justifier, plus, hein. L'écoute pas, hein. T'as pas à te justifier. Juste, on a. Absolument. Juste, on a quand même top 8. Pendant que toi, t'es en top 8, la qualité du pop-off, tu vois. Regarde. J'ai juste levé le point. Pendant que toi, t'es en top 8, il est où, lui, dis-moi? Bah, il est en train de commenter, il est en train de tirer des ouzes. Logique. Attention, hein. Du coup, là, on a qui au cast? Enfin. Du coup, attends, il nous reste un match avant le top 8, là, du coup. Ouais, il nous reste un match. Si j'ai bien compris. Ah, du coup, c'est Yas qui retourne sur le stream, c'est cool. Ouais, c'est ça, en gros. On est entre potes. Qui a dit ça? Le PJ, il est en mode ouais, c'est cool le stream, les casques comme ça. Bah, logique. C'est trop, c'est relou. Frère, ouais, c'est relou quand c'est trop gros. Genre, les potes, on kiffe. Mais c'est ça, en fait. Et de toute façon, même si on faisait un truc gros, est-ce qu'on est pro, nous? On est des guesmers, tu vois. Ça, de ouf. Ça aurait aucun sens, tu vois, un truc comme ça, genre. Ouais, voilà, le stage contrôle. Oui. En effet, il a un avantage de frame. Bon, après, tu vois, moi j'aime bien faire ça. Ouais, non, mais même. Genre, moi, c'est mieux détendre, tu vois. C'est moins bien.